20e page, traité Brachot, la petite cuillère de Daf Hayomi. Aujourd'hui, c'est un beau savoir de vivre et je crois que c'est un très beau message pour nous pour comprendre un peu mieux notre contact avec Dieu. Et Rav Papa demande à Abaye une question. Pourquoi dans les générations avant, Maïchna Dorot Rishonim Kamitrachash Leou Nissa, c'est en araméen, je vais essayer de traduire en français. Pourquoi les générations avant nous, ils avaient beaucoup des miracles, des vrais miracles. Et nous, maintenant, quand il dit nous, on parle 1600 ans en arrière, hein, et nous, on a l'impression qu'il y a moins de miracles. Alors, la Gemara répond, hein, Abaye le dit, comme les premières générations, on monte jusqu'à les patriarches, Kamasre Nafshay ou Al-Kiddush Hashem, ils se donnaient à fond pour honorer le nom de Dieu. Ils avaient beaucoup moins de nous des calculs et des intérêts. Alors, Kadosh Baruch Hu, il le faisait des miracles qu'ils étaient beaucoup plus présents visuels. Nous, je suis sûr qu'on est considéré selon le Talmud, les nains sur l'épaule du géant. Eux, c'était des géants. Nous, on est des petits nains par rapport à eux. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même de l'espoir dans cette métaphore, hein, car le petit nain, qu'il est dans l'épaule de géant, il voit quand même plus loin. Donc, si Dieu veut, c'est sûr que Mashiach, pour nous, on peut le voir plus clair avec notre génération. Mais tout le monde connaît l'histoire avec cette personne, il n'y a pas longtemps. C'est un grand rabbin de Bnei Brak qui a raconté ça. Il était à Kenya pendant quelques mois. Et quand il a pris ce grand rabbin une fois en taxi, alors il était avec des boucles d'oreilles, un grand queue de cheval, il a dit « Bonjour monsieur le rabbin, il faut que je vous raconte une histoire, je vois que vous êtes religieux. » Vous savez, il y a quelques semaines, je suis retourné de Kenya, moi et mon ami, et là-bas on a eu une histoire de folie, il y a un grand serpent, je ne sais pas quoi, c'était un anaconda, je crois qu'on dit comme ça, qui est venu et qui l'a avalé mon ami. Il est arrivé jusqu'à là, comme dans la parachat de la semaine, par hasard on est parachat Shemot, le fils de Moshe Rabbeinu aussi, il a été avalé par un serpent. Et la seule chose qu'il a fait, c'est Shema Israël. Et monsieur le rabbin, je vous dis, un vrai miracle. Tout de suite, le serpent, comme s'il a répondu, hein, amen, il a lâché, il est parti. Alors le rabbin dit, ah, Hazak, bravo, il est où ton copain? Alors il a dit, voilà, bah, mon copain, et après ce miracle-là, je peux vous dire, ça y est, là, la yeshiva, hein, il a tout abandonné, il a commencé à faire Shabbat, il met les tefillines, et même il étudie tous les jours. Et là, le rabbin se retourne vers le chauffeur de taxi, il dit, et toi, tu étais avec lui? Et alors toi, tu as changé un peu ton mode de vie? Il a dit, monsieur le rabbin, moi, il ne m'a pas touché le serpent, hein, il a touché que mon ami. Alors si on veut comprendre qu'aujourd'hui, la vraie réponse pour nous, pourquoi on n'a pas des miracles, des vrais miracles, parce que même si quelqu'un va avoir un vrai miracle devant lui, ça peut le changer peut-être si ça le touche, et encore, ça peut durer quelques jours, un ou deux, trois jours. Mais si on remarque bien, hein, chers amis, si notre corps était transparent, on l'a déjà dit, on aurait vu comment tout se fonctionne. Alors on aurait été tous des croyants. Dieu nous a donné le libre arbitre. On a des miracles, ils sont un peu cachés, c'est vrai, mais bientôt c'est pour dévoiler l'avenue de Mashiach. À demain si Dieu veut pour la 21e page.